Bonjour et bienvenue dans Faites ton sport à la maison. J'espère que vous êtes motivés pour notre session de training. Tu me demandes pas si j'ai la pêche. Oui, est-ce que tu vas bien Elsa? J'ai la pêche parce qu'aujourd'hui on fait cardio box. Donc on va mettre des points. Des pêches. Tu vois pas que c'est une blague? Ok, allez, pêches. Allez la team, on se prépare. Une paire de baskets, une bouteille d'eau. Des gants box si vous voulez. Ok, allez on y va. Allez mes boxeurs, on va commencer par un échauffement de 5 minutes. En tant que boxeuse, je peux choisir un personnage. Tu veux qui? Tyson. Tyson? Oui. Mais... Quoi, je ne ressens pas. Pas trop. Tu vois pas ses muscles? Regarde. Bon, on va commencer quand même l'échauffement. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Allez la team, on garde le dos droit, pointe de pied. On va commencer par la cheville. Allez, on fait une petite rotation. Allez, on sort les pectoraux vers l'avant, on garde le dos droit. Allez, changer de sens. Allez, très important de bien chauffer les articulations. Quelle que soit la discipline d'ailleurs. Exactement. Allez, on relâche, change de pied, toujours pareil. Sur la pointe des pieds, petite rotation. Tu sais que même ceux qui font de la musique, ils s'échauffent. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Même les vocalistes pour les chanteurs. Oui. Ok, changer de sens. Donc nous, en tant que boxeurs professionnels, bien sûr. On a un gros échauffement. Évidemment. Allez, on relâche. Allez, les genoux, donc pied, largeur de bassin. On s'incline vers l'avant, rotation. Allez, on fait des petits cercles. Allez, surtout les genoux, c'est vraiment très important de bien les échauffer. Allez, changer de sens. C'est comme le bassin. Ah oui. Des articulations comme ça, il ne faut pas lésiner dessus. Jamais. Ok, on relâche doucement. Allez, bassin de droite à gauche, ok? Toujours pareil, gardez le dos droit. Vous avez juste à vous balancer de droite à gauche. Ça va. Pour l'instant. C'est la meilleure partie de l'exercice. Donc l'équipe, aujourd'hui, 4 exercices, 45 secondes de travail, 4 séries. Un peu de temps de récup. Un tout petit peu. Donc on va commencer par le premier bloc. On va utiliser que les poings. D'accord. Okay. Allez, relâchez. On va commencer par les épaules. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va commencer d'abord sur le premier bloc. D'abord les poings. Mm-hmm. Il y aura des directs, des crochets, des hypercutes, des coups de coude. Coups de coude? Ouais. Donc ça va être assez cardio. Je vais être à fond dans mon personnage là. Allez, vers l'arrière. En même temps, vous serrez les omoplates. Donc ça, c'est le premier bloc. On va utiliser que les poings. Et donc après, dans le deuxième bloc, c'est la même chose. 4 exercices. Mais que sur le bas du corps. C'est ça, on va utiliser les genoux, les squats. On fera du squat, des genoux. Okay. Des squats, des genoux. Non, tu verras. Suspense. Allez, on relâche. Allez, on garde le dos droit, cervical. Allez, voilà, de gauche à droite. Ok. Tout doucement surtout. Hein. Allez, parfait. J'aime bien au début, on est doux, on commence doucement, délicatement, et après on va mettre du direct, des supercuts. Tu as vu la transition? Oui. Il n'y a pas de juste milieu. Allez, relâchez. Allez, à l'intérieur, montons à l'intérieur. Allez, doucement, à l'intérieur et vers l'arrière. Toujours pareil, gardez bien le dos droit. Ok, encore un peu. Ok, relâchez doucement. Allez, on va placer votre pied gauche en arrière. On commence à mettre direct avant pour échauffer les épaules. Allez, on continue. Pas besoin de mettre de la vitesse. Hein. Vraiment tranquille, bras tendus. Voilà, ce que je veux, c'est que vous ayez les bras tendus et surtout bien gainés. Pensez à rentrer le ventre. Inspirez, vous soufflez. Ok. Donc allez. Là, nous ne sommes pas dans la recherche de performance. Au contraire, on est en train d'échauffer, donc on y va tranquillement. Petit à petit, on repousse bien les bras vers l'avant pour réveiller le cœur déjà et les articulations. Voilà, relâchez. Cette fois-ci, on va aller vers le haut. Donc des petits hypercutes, tranquille. Pas besoin de mettre de la vitesse, hein, vraiment doucement. Allez, on monte les épaules vers le haut, les poings aussi. Allez, pas plus. Hein. On essaie de monter le bassin vers le haut. Un petit déhanché, tu vois. Tac, tac. Voilà. Comme si vous étiez. Moi, je prends que le déhanché. Okay. C'est Tyson.
Non, Tyson, il fait pas ça. Allez, relâchez. Allez, bas du corps, corde à sauter. Oui. Allez, on y va sur la pointe des pieds. Imaginez que vous avez une corde à sauter, tout simplement, hein, d'accord. Et en même temps, vous bougez les poignets. Allez, vous déplacez de droite à gauche, vers l'arrière, vers l'avant. Allez, on garde bien le dos droit, on serre les abdos. Allez, encore un peu. Allez, on accélère encore un tout petit peu. Allez, on accélère, on fait monter la fréquence cardiaque. Allez, on accélère, on accélère, on accélère. Ok, on relâche doucement. Wow, voilà, parfait, très très bon échauffement. Je suis d'accord. Alors, on a du temps de récup encore. Vous avez le temps de vous hydrater, de boire et de passer à l'entraînement, d'accord? Donc n'oubliez pas, 4 exercices, 45 secondes de travail, ok? On commence par le haut du corps et c'est maintenant. Et c'est parti pour le premier exercice, donc 4 mouvements spécifiquement sur le haut du corps, ouais, qu'on va répéter plusieurs fois. Exactement, 45 secondes, ok? On va commencer par dit direct. Ok. Comment l'échauffement, vous avez vu? C'était que dit direct, avant, arrière, avant, arrière. Bras tendus, ok? Même principe. Yes, exactement. Allez, on se met en place, dos droit, pied en arrière. Allez, on monte les épaules. Coude, pareil, levé, hein, ok? On va commencer à aller direct. Allez, c'est parti. Pas besoin de mettre de la vitesse. Ce que je veux, c'est avoir les bras tendus. On serre bien les abdos. Allez, c'est notre cours de cardio box. Là, on va éliminer le maximum de calories. Ok, la team? Inspire et on souffle. Allez, pas besoin de mettre de la vitesse. Ce qu'on veut, c'est vraiment un gros travail sur les abdos, sur les épaules, bien sûr le dos. Et vu qu'on a le genou fléchi sur la jambe d'appui, les cuisses. Les cuisses. Eh oui, allez, tout travail sur ton mouvement. C'est clair. Allez, la team, on lâche pas. Et on passe au deuxième mouvement, okay. Les crochets. Yes, en même temps, ça va travailler les obliques. Allez, c'est parti. Allez, allez, faites comme nous. Donc, vous avez vu, rotation du bassin. Voilà, encore les crochets, les poings un peu vers le haut. OK? Allez, toujours pareil, on garde bien le dos droit. Et surtout, la rotation du bassin. Travail des obliques. Vous avez les poings fermés. Pareil, hein, les coudes sont levés. Allez, on tourne, on tourne. On tourne, on tourne, on tourne. J'imagine. Reviens. Tyson, ne fais pas ça, Tyson. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié mon tu rôle. Tu vas prendre un KO. Tu sais, c'est comme dans les jeux vidéo où tu prends un personnage qui n'a rien à voir avec toi. Allez, on y va sur les hypercutes. La même chose, mais vers le haut. Allez, on y va. Allez, vers le haut. Donc, vous avez vu les coudes. Coudes serrés près du corps, hein, OK? Allez, on alterne, droite-gauche, gauche-droite. Surtout les genoux, genoux fléchis, on n'a pas les jambes tendues, hein, d'accord? On est sur les appuis. Allez, on continue, on monte. Voilà, c'est notre training cardio-box. Allez, encore, serrez bien les abdos. Inspire, on expire, n'oubliez pas hein, d'inspirer, expirer. Pas d'apnée. Tu sais que la boxe, c'est le meilleur sport pour travailler son cardio. Ah, ça, ok. Dernier exercice, les coudes. Allez, on y va en position. Coudes vers le haut et vers le bas. Et toujours pareil, on alterne. On monte, on descend. Ça, c'est vraiment la spécialité de la boxe thaïlandaise, en fait. Tu vois, on utilise les coudes. Ça va, j'aime bien. Ben oui. Allez, gros travail. Pareil, sur les épaules, le dos. Allez, on monte et on descend. Le coup du monde et descend. Allez, encore, encore, encore. Toujours pareil, 45 secondes de travail. Allez, montez les coudes. Allez, la team, on lâche pas. Allez, dernière seconde. Parfait, relâche. Ok, bien, bien mes boxeurs. Très, très bien. Donc voilà, première série, vous avez vu, hein, c'est très cardio. Hein. Oui. Ouh, super, allez, hydratez-vous. Là, par contre, on a vraiment besoin de bien boire. Donc, vous allez voir, sur les prochaines séries, vous allez sentir un petit peu plus les épaules. Là, c'était la première, donc on a surtout senti le côté cardio et la sangle abdominale. Sur les mouvements suivants, petit à petit, les épaules vont commencer à bien chauffer. C'est ça, donc voilà, on relève vos épaules, continuez à vous étirer. Allez, c'est super, mes boxeurs, très, très bien. Là, on a appris, en fait, les petites bases de boxe. Oui. Là, il y avait de la boxe anglaise
Et le dernier, c'était good pour la Thaïlandaise. Allez, on y va. Deuxième série. Deuxième partie, la même, comme je vous ai dit, un peu plus focus sur les épaules. Donc, on continue à rentrer le nombril pendant les mouvements. Et vous allez le voir, plus vous allez augmenter la vitesse d'exécution, plus votre rythme cardiaque va s'augmenter aussi. C'est ça. Mais après, n'oubliez pas, à votre rythme. D'accord ? Si vous débutez, allez-y lentement. Voilà. OK ? Le plus important, c'est de le faire pendant les 45 secondes. OK ? Participer. C'est ça. Allez, premier exercice. Que dit direct. OK, la team. Allez, on se met en place. Genoux fléchis, on monte. Et c'est parti. Allez, doucement. Bras tendus. Allez, on monte les coudes, les épaules. Voilà, parfait. Bras tendus, on serre bien les abdos. Allez, gros travail, toujours pareil, hein, sur les épaules, sur le dos, les abdos. C'est pour la rime. Il est content. Ouais. Il m'a regardé tout exprès pour la rime quand même. Vous noterez ça. Allez, on continue, on continue. Ouh, là, ça commence à chauffer. Moi, je me sens dans les épaules. Mais c'est ça qui est bon. Allez, on continue. Ça veut dire qu'on travaille, là. Allez, encore quelques secondes. Allez, on tient, on tient, on tient. OK, on relâche. Les crochets. Les crochets. Et allez, ici, là. Allez, c'est parti. Voilà, parfait. Rotation du bassin. Allez, on lève bien les coudes, hein, surtout. Hein. Allez, pas besoin de mettre de la vitesse. On y va, tranquille. Voilà, parfait. Bang, bang, c'est bang. Tranquille, mais on met quand même des coups de poing. Hein. Mais tranquille. Mais oui, mais c'est des coups de poing gentils, ça. Des coups de poing mignons. Oui. Ce sont des coups de poing mimi. C'est ça, ça existe, des coups de poing mignons. Voilà. Allez, décrocher, 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 tout mignon. Allez, c'est ce qu'on veut. Allez, gros travail sur les obliques, là. Allez, rotation du bassin, surtout. Voilà, encore, 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 on lâche pas. Ouais. OK. On y va sur les hypercutes. Allez, coude serré, allez, on commence à monter. Voilà, doucement. Allez, encore, encore. Serrez bien les abdos. Allez, poings fermés et on monte vers le haut. Inspire et on souffle. Donc vous avez vu, toujours les genoux fléchis, OK ? Allez, voilà, on est solide. Allez, solide sur les jambes. Allez, on monte, on monte, on monte, hyper pute. Voilà, parfait. Allez, là, on fait vraiment travailler le cardio. Allez, on lâche pas. Encore quelques secondes et après, on passera sur les coudes. Les coudes, coudes. Les coudes, les coudes. Les coudes, coudes. C'est comme montre ta montre. Il y a des mots comme ça qui sont durs. OK, on relâche. Allez, on y va. Coude, coude. On monte et on y va. Allez, là et on change. Allez, on monte les coudes et on redescend. Voilà, parfait. Allez, encore. J'ai l'impression un peu d'être une ninja. Je croyais que t'étais Tyson. Avec les couettes, j'aurais pu te dire Harley Quinn aujourd'hui. En fait, t'es tous les personnages. J'ai tous les personnages. Voilà. Aujourd'hui, je suis qui vous voulez. Allez, on monte les coudes. Allez, on continue, on continue. Et à chaque fois, on alterne, d'accord ? Allez, rotation en même temps. Eh bien, OK, on relâche. Bien, parfait. Allez, super. Allez, récupérez, hydratez-vous. Donc, la deuxième série, comme je vous ai dit, on est un peu plus sur les épaules. Troisième série, on va s'attarder sur la technique, à bien placer les mouvements. Donc, quand Eric vous dit de rentrer le nombril et de bien pivoter et de twister, bah là, on va se concentrer dessus. Allez, super, la team. Très, très bien. Donc, vous avez vu, c'est vraiment un focus cardio. Surtout sur la sangle abdominale. Donc voilà, c'est complet. On travaille le dos, le haut du corps, les jambes. Allez, c'est super. Allez, la team, on se remet en place. Et il y a la troisième série, d'accord ? Allez, on est ensemble, on continue. Allez, mes boxeurs, on se remet en place. On reprend les gants, on protège dents. Toujours plus. Et oui, il y a la troisième série, OK ? Donc vraiment focus sur le cardio. Là, on donne tout encore. On lâche pas, on est encore motivé, hein, d'accord ? C'est comme dans le film de Rocky. Eh ah oui. Rocky ne lâche pas. Ouh. Voilà, on a les yeux du tigre. Oui. Allez, on y va, on se met en place. Les yeux du tigre. Vous rappelez comme tout à l'heure. Allez, c'est parti, dit direct. Allez, bras tendus. Allez, encore, la team, encore la team. Tu vois mes yeux ?
Tes yeux. Le tigre de les biche. Yeux de chien. Je vois moi, c'est de... des yeux de biche. Non, des yeux de chat. Oh, c'est Mimi, ça va. J'accepte. Le chapeauté. Je suis le chapeauté. Tu sais. Non. Allez, on y va. Allez, encore là-dessus. Bien, pas mal tes épaules. Bien, je fais ça épaules. Bien. Oh, c'est pas mal, pas mal. Allez, dis direct. Allez, on lève les épaules, les coudes. Bras tendus, on serre bien les abdos. Allez, là, tu m'en lâches pas. Je sais que c'est dur, mais c'est pas grave. C'est dans votre tête. Est-ce qu'au rookie s'est arrêté? Non. Alors, on s'arrête pas. Allez, on y deuxième va. Deuxième mouvement. Crochet. Donc, comme je vous disais, là, on va s'appliquer à bien twister le bassin à chaque fois. On rentre le nombril et on vient chercher vraiment ce va-et-vient. N'oubliez pas d'inspirer, d'expirer. Hein. D'expirer. Non. Ça va être trop dur. Allez, gros travail sur les abdos. Allez, rentrez le ventre. Allez, encore, on continue. Allez, la team, allez, on est ensemble. On lâche pas. Très, très bien. Allez, après le dernier, les coudes, ok. Okay, ah non, il okay. Y a d'abord les crochets. Les hypercutes. J'étais parti. Il est perdu. Oh, j'étais perdu. Demande-moi. Hypercutes, c'est parti, on monte. Allez, encore, on garde bien les coudes serrés. Allez, ça monte, genou fléchi. Allez, pas besoin de mettre de la vitesse. C'est technique là. Allez, on travaille un peu plus la technique. Ça va Elsa? Ça va. Allez, on y va. Je serre bien mes poings, je rentre bien mon nombril. Parfait, tu as bien appris la leçon. Très très bien. Je suis les consignes de mon coach. Qui a les yeux du tigre. Les yeux du tigre. Tu les as regardés les films de Rocky? Bien sûr, quand même. C'est un basique ça. C'est la base, regardez. Ok, on relâche. Coup de coude. Ça j'aime bien. Allez, on y va, on monte, on descend. Et on alterne. Allez, serre bien les abdos, toujours pareil, hein. Genou fléchi, hein. Ok. Allez, coude. Allez, vers le haut. Allez, encore. Allez, on lâche pas. Allez, c'est notre troisième série. Yes. Là, on est bien, la team, on est bien. On suit. Ça a fatigué, c'est normal, c'est ce qu'on recherche, mais on continue. Nous sommes sur les dernières secondes, alors on lâche rien. Allez, encore. Ok, on relâche doucement. Bien joué. Très, très bien. Allez, mes boxeurs, hydratez-vous, enroulez vos épaules. Allez, étirez-vous un peu. Allez, relâchez même les poignets, les bras. Voilà, on a fait un gros travail. Il nous reste encore une dernière série et ce sera parfait, d'accord? Allez, c'est très, très bien. Vraiment, gros travail sur les abdos. Ce qui est bien, comme je disais tout à l'heure, la boxe, c'est l'un des meilleurs. Bah, c'est très complet. Hein. Vous voilà. Faites le haut du corps, le bas du corps, la sangle abdominale, en cardio, c'est en ça. Renfo, donc c'est vraiment bien. Si vous voulez gagner du cardio et perdre le maximum de calories, du poids, la boxe. Allez, on attaque la quatrième série? Exact. Allez, on y va. Quatrième round. Allez, mes boxeurs, on y va. Quatrième round, on reste concentré, on reste motivé, ok? On n'a pas fini de saigner nos épaules. Non. Ce qui est bien avec la boxe, comme je disais, c'est vraiment cardio. Ah, j'adore ce sport. Ça, on sait, hein? Il aime. Hein. Allez, comme tout à l'heure, direct. Ok. Crochet. Hypercute. Et coup de coude. Allez, on se donne à fond. C'est le dernier, d'accord? 45 secondes de direct. Et c'est parti. Allez, là, tu m'en lâches plus maintenant. Allez, bras tendus vers l'avant. On monte les épaules. Genoux fléchis. On serre les abdos. Et c'est parti. Allez, on y va, mes boxeurs. Allez, on inspire. Voilà, parfait, c'est très, très bien. Allez, bras tendus. On met un peu plus de vitesse que tout à l'heure, d'accord? Allez, c'est notre dernière round. Allez, ça va, Elsa? Ça va, et toi? Ah, ok, ben moi, ça va, hein. On continue. Allez, repoussez bien les bras vers l'avant. Rentrez le nombril et continuez à alterner droite et gauche. Vous pouvez ralentir, mais pas vous arrêter. Ok. Deuxième mouvement. Allez, on y va. Rotation du bassin. Allez, vers le haut. On serre les abdos. Tu vois ce qui est bien avec la boxe?
Eh ben, on n'a pas besoin de matériel non plus, hein, tu vois. Ça, c'est clair. À part les gants et les pattes d'ours. Voilà, on n'a pas trop besoin de matériel. Allez, parfait, on continue. Tu vas pour travailler son cardio. Poids de corps. À la maison. Et c'est parfait. Avec fais ton sport à la maison en même temps, tu vois. Oui. Allez, la team, on continue. Crochet, crochet, rotation du bassin. Allez, très très bien la team. Allez, on tient, on tient, on tient. Allez, notre dernière série. Ok, on relâche. Hypercute. Allez, on garde les coudes serrés. Genoux fléchis, on y va, on monte. Voilà, parfait. Allez la team, allez la team. Allez, énervé là. On lâche plus. Allez, on va le gagner ce combat. Allez, on le gagne ensemble. On le gagne ensemble. Allez, très très bien. Allez, on monte vers le haut. Allez, coudes serrés. Allez, on serre les abdos. Allez, gros travail de cardio là. Allez, on lâche pas. Tu sais quoi, je sens même mon dos. Ah oui, on travaille tout là. Allez, Elsa, je l'avais dit de toute façon au bout d'un moment, hein, la première série ça va, mais au bout de la quatrième, tout pique. Allez la team, on reste motivé. Allez, un pouce, on monte. Encore. Allez chercher la hauteur. Allez, on y va pour les coudes. Prête ? Je suis prête. Allez, un, et deux, et trois. Allez, le maximum de coudes. Hèche, hèche. Allez, on lâche tout, mais vous pouvez même crier à la maison. Allez, coude, coude, vers le haut et vers le bas. Allez, voilà, parfait. Allez, je vous entends inspirer, souplez. Allez, lâchez tout. Allez, mes boxeurs, allez. Allez, on monte les coudes. Là, c'est parfait, là. Rotation du bassin en même temps. Petite rotation, là. Allez, on lâche pas. Encore quelques secondes. Allez, la team, allez, 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 ensemble. Allez, je sais que c'est dur, mais on y va en mental, ok ? On tient bon, on tient bon, on tient bon. Allez, les dernières secondes, ça va bien se passer. Et relâche. Allez, bravo. Quatrième série terminée pour le haut du corps. Donc, c'est on ça. Reste en cardio, on reste en renfo. Il va y avoir de nouveau les abdos, mais cette fois, on va se focaliser sur les cuisses, c'est ça. Les fessiers sur et le les ischios. C'est ça, sur le bas du corps. Le même principe, d'accord ? 4 exercices, 45 secondes de travail. Allez, la team, on est à la moitié du training. On est pas mal. Allez, hydratez-vous, on a encore le temps de récup. Donc pareil que tout à l'heure, vous marchez dans votre salon, vous vous étirez un petit peu si vous avez besoin, vous buvez. Mais là, on est encore en récupération. Prête Elsa pour le deuxième ? Toujours prête. Allez, c'est parti, on y va. Allez mes boxeurs, deuxième bloc de travail. Donc là, on va plus accentuer sur le bas du corps, ok ? Ok. Toujours pas un gros travail sur les abdos, bien sûr, le cardio. Donc là, on va mettre des coups de genoux, des blocages et on va commencer par des squats. D'accord ? Des coups de genoux. Donc, si je récapitule, c'est, aïe, c'est ça. Aïe, tu me fais mal déjà. Oh, c'est ma puissance. Ouais, ouais, c'est ta puissance, tu vas voir. Allez, on va commencer par les squats. Premier exercice, 45 secondes de travail, c'est parti. Petite flexion et on remonte. Allez. Inspirez, vous soufflez, pas besoin de descendre trop trop bas. Voilà. Vraiment des petites flexions. Allez, gros travail sur les cuisses. Oui, vous, là, vous faites un demi-squat, hein, pas un squat complet. Non, non, non. Donc, vous avez vu les pieds plus larges que le bassin. On serre bien les abdos, on inspire et on souffle à la montée. Allez, la team, 45 secondes de travail sur le bas du corps. Allez, encore. Et après, on passera sur les genoux. Coup de genoux. Allez, encore, la team, encore. Allez, on lâche pas. Je sens que je vais bien aimer le prochain. Oh, non. Toi, je sais pas pourquoi, tu veux mettre des coups de genoux, c'est ça ? Je veux t'embêter. Non, 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 allez. Ok, on relâche doucement. Allez, pied droit en arrière. Allez, on y va, on monte le genou. Et on se replace. Pas besoin de mettre de la vitesse, vous avez vu ? On se replace. Voilà, super, ok. Toujours sur la même jambe. La jambe d'appui fléchie, ok ? Allez, on y va, on monte le genou. Vous inclinez légèrement vers l'arrière, ok ? Légèrement vers l'arrière, on s'incline. Et on monte le genou vers le haut. Voilà, parfait. En fait, au moment où vous allez lever votre genou, vous allez ramener le nombril vers le ciel. Vous gardez le nombril rentré, bien sûr, puisqu'on est en contraction des abdos. Mais au moins, ça vous donne le mouvement en entier dans son amplitude. Allez, on inspire, vous soufflez quand vous mettez le genou vers l'eau, ok ? Allez, troisième. Pareil, on change d'appui. Allez, c'est parti. Vous avez changé de jambe, hein ? Voilà, parfait, continuez. Donc là, vous soufflez au moment où vous allez lever le genou.
Inspire, souffle, inspire, souffle. Très, très bien. Allez, on lâche pas. Allez, là, vraiment, gros travail sur le bas du corps. Et bien sûr, les abdos. Allez, toujours pareil, hein, on contracte bien les abdos. Inspire et on souffle. Voilà. Allez, on lâche tout. Allez, coup de genou. Bam. Voilà, parfait, encore. Bam. Vous imaginez, vous avez un bâton. Tac. Exactement. Allez, on continue. Imaginez, vous cassez le bâton, OK? Vous avez le bâton entre les mains et vous le cassez. OK, on relâche. On y va pour les blocages. OK. Allez, genou vers l'extérieur. On monte le genou en bloc. Voilà, parfait. Comme ceci. Voilà, et on alterne à chaque fois, OK? Donc, on monte le genou vers l'extérieur. Donc, gros travail aussi sur les adducteurs. Allez. En fait, ça s'appelle un blocage en défense à la boxe thaïlandaise ou kick ou quoi que ce soit. Ouais. Si quelqu'un vous met un coup de low kick, un coup de pied, oui, on le bloque. Voilà. Allez, blocage, on monte le genou vers l'extérieur, OK? Allez, encore. On continue. On alterne chaque fois, OK? Allez, la team, on continue, on monte bien les genoux, encore quelques secondes. Ouh. Allez, on lâche pas, on lâche pas, on est ensemble. OK, on relâche doucement. Yes. Super. J'ai senti les adducteurs hein, sur le dernier mouvement. Je pense que vous allez boire, vous hydrater. Parce que la première... Parce que c'est ce que lui, il va faire. Ah oui. Donc, n'hésitez pas à faire comme Téric. Sinon, vous restez avec moi. Vous étirez un petit peu les jambes. Récupérez votre souffle en oxygène au maximum pour pouvoir reprendre sur une deuxième série. Hein. C'est ça. Donc, vous avez vu la première série? C'est assez intense, c'est très cardio. Dès qu'on utilise le bas du corps... Ça fait monter la fréquence cardiaque direct. L'intensité n'est pas la même. Hein. Exactement. Allez, la team, on lâche pas, on reste motivé. Il y a la deuxième série et on y va. C'est maintenant. Allez, la team, deuxième série sur le bas du corps. Vous n'êtes pas fatigué? Non. Toi non plus? Non. Non. Comme toi, quand tu es parti boire de l'eau, tu n'étais pas fatigué. Pas du tout, mais il faut s'hydrater. C'est très important. Avant, pendant, après. Tout le temps. Voilà, exactement. L'eau, c'est la vie. Donc, hydratez-vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, comme tout à l'heure, premier exercice. On va faire des squats pendant 45 secondes. Que des petites flexions. OK? Prête, Elsa? Je suis Allez, prête. Pieds plus larges que le bassin. On y va, on descend. Et on repousse. On serre bien les abdos. Inspirez, soufflez à la montée. Ah, parfait. Encore, continue, on continue. Et on pousse. Après, bien sûr, allez à votre rythme, OK? Si vous venez de commencer, allez-y doucement. Allez, on prend son temps. Inspire et on pousse. Le plus important, c'est la technique, OK? Pieds un peu plus large que le bassin. Ah, super, les orteils, les jambes vers l'extérieur. Et c'est parti. Allez, on lâche pas, on lâche pas, on continue avec un petit côté dynamique. On augmente la vitesse, on fait un beau sourire et on y va. C'est comme faire du vélo, c'est facile. Mais oui, c'est facile. OK, on relâche. Allez, jambes droite arrière. Coup de genou. Allez, on y va. Allez, on inspire et on souffle. Allez, je veux vous entendre. Voilà, on lâche tout. Hey, vous êtes à la maison. Tu veux que je fasse des bruits? Vas-y. Non. Bing. Bing. Et bang. Allez, bang. Encore. Vous êtes à la maison, vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez. Allez, criez même, lâchez tout. Moi, si j'étais vous, je prendrais un coussin et je ferais... Avec mon coussin. Ben, tu sais, ça fait du bien. Mais oui, c'est pour ça, ça défoule en plus. Bien sûr, ça fait bien de se lâcher. Allez, on continue. Allez, on monte les genoux. On s'incline légèrement vers l'arrière. Et on monte. Oui, très bien. Encore. OK, on relâche. Pareil avec l'autre jambe. Je prends mon coussin ou mon bâton. J'inspire, expire. Repousse le genou vers le ciel. Les épaules vers le sol. En opposition. Et c'est parce que justement, vous allez faire ce mouvement que vous allez contracter vos abdos et le fessier. Hein. Exactement. Gros là, depuis tout à l'heure, le fessier, tac, à chaque fois, il contracte. Hein. Voilà, gros travail sur les fessiers. Allez, comme quoi, tu vois, la boxe, hein, c'est super. Je sens juste le psoas, là. Ben oui, tac. C'est complet. Si vous sentez ici, c'est normal, c'est le psoas qui se contracte également. Allez, on continue, allez. Allez, on est fort. On lâche pas la team, on monte le genou. On est puissant. C'est ça, allez, coup de genou. OK, on relâche. Allez, les blocages. Yes, c'est parti. Allez, on monte en bloc. Allez, vous avez vu, hein, genou vers l'extérieur. Voilà, parfait, encore. Allez, on monte depuis haut.
Voilà, levez bien le genou à chaque fois, vous gardez le nombril rentré, vous bloquez également avec le bras. Allez, on continue, on serre bien les abdos. À chaque fois, on alterne, d'accord? Allez, là, tu m'en lâches pas. Allez, vraiment, la boxe, c'est dans la tête. Et votre corps, il suit. Si votre tête, elle suit, tout est dedans. Donc, le corps, il suit aussi. Ah oui, vous n'êtes pas fatigué. Allez, encore quelques secondes. OK, on relâche. Wow. Très bien. Mal, pas mal, belle série. Pas mal. La deuxième, elle pique. Voilà, allez, deuxième round. Terminé. Ça, c'est fait. Voilà, vous avez encore du cardio, vous êtes bien là, vous êtes en forme. Vous êtes en forme pour faire les deux dernières. Ils sont bien là. Allez, hydratez-vous. Prenez le temps de vous étirer un petit peu si vous le souhaitez. Redevenez amis avec votre coussin, le pauvre, vous lui avez fait des misères. Ça va mes boxeurs thaïlandais? Eh oui, c'est la boxe thaï aujourd'hui, sur les pieds, j'adore. Et eh oui, j'adore. Allez la team, on se remet en place. Troisième série, et c'est maintenant. Allez les boxeurs, on se remet en place, on prend les protège-tibia, protège-dents, les gants. Toujours dans la butoir, hein. Ouais. Toujours. Hein. Troisième série. Oh, mais on est bien là, je t'assure, je les vois, ils sont très, c'est très bien. C'est toi qui es bien là, il est à fond, il est dans son élément. Mais non. Allez, comme tout à l'heure, les quatre exercices, 45 secondes de travail, cette fois-ci, encore plus de motivation. OK la team, okay. On va commencer par les squats, pieds plus larges que le bassin. Allez, on y va, on descend. Petite flexion, pas besoin de descendre trop bas. Poussez les fesses vers l'arrière. Allez, on pousse avec les talons, pieds collés au sol et c'est parti. C'est l'autoroute. On est parti. On l'autoroute du squat. Voilà, on prend les bagages et on squat. Allez, serrez bien les abdos, on inspire et on souffle. Allez, super. Gros travail sur les cuisses, les fessiers, les abdos. J'adore. Non, t'aimes pas? T'aimes pas Elsa? Si, si. Et voilà. C'est parfait. D'ailleurs, ça. En parlant de voyage, si vous voulez mettre un sac avec des bouteilles d'eau, pendant que vous faites vos squats, on accepte. Ah hein, ouais. On n'est pas contre. Allez, on pousse. Allez, on continue là. Team, on continue. Allez, poussez les fesses vers l'arrière. OK, on relâche. On va pour les genoux. Parfait. Allez, pied droit en arrière. Genou. Allez. Allez, imaginez que vous ayez votre bâton. Vous devez faire du feu, donc on explose le bâton. Paf. Allez, un peu d'énergie. Et paf. Et paf. J'adore ces bruitages. Et paf. Paf. Et paf. Tu ferais comment avec du bois, toi? Ouais. Crash. Ah, crash. Oui, c'est pas mal, j'avoue. Cric. Oui, voilà, non, cric. C'est bon. Il va nous faire tous les bruits du monde, maintenant. Allez, on continue. On monte les genoux, là, team. Allez. Allez, on reste concentré. Même si Elsa vous fait rire. Non. Mais elle est toujours sérieuse. Hein. On est sérieux quand on travaille. Mais quand on rigole, on fait les abdos. Hein. Bah bien sûr, aussi. Ouais. Allez, on va changer de genre. Tu vas nous raconter une blague, hein? Raconte-nous une blague, Elsa. Non. Tu m'embêtes. Non. Allez, on continue. On monte le genou légèrement en arrière, le dos. On s'incline légèrement vers l'arrière. OK, la team? Allez, encore. On continue. Allez, on monte les genoux. Allez, gros travail. Du cardio en même temps, vous avez vu, hein? Allez, on prend quelques secondes. Ouais, super. Ouh. Allez, genou. Genou, oui. Allez, on lâche tout. Voilà, encore. Et c'est moi qui dois les faire rire, c'est ça? Moi, je suis censé les faire rire, OK. Ouh. On continue, on lâche pas. Vous êtes pas fatigué, non? Allez, on y va, blocage. Prête, Elsa? Je suis prête. Allez, on monte, on bloque. Voilà, pas besoin de mettre de la vitesse, hein. Juste pour monter les genoux vers l'extérieur. Allez, super, encore. Voilà. Allez, montez le genou plus haut. Gardez bien les abdos serrés. Allez, nos 45 secondes, les dernières. Allez, encore, 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 on monte. Gros travail sur les adducteurs aussi. C'est surtout ça que je sens moi depuis tout à l'heure. Allez, blocage, blocage. Oui, voilà, très très bien. Allez mes boxeurs, on lâche pas, on lâche pas, on donne tout. Allez, c'est notre combat là, c'est notre combat de boxe là. Allez. On doit sortir vainqueur de ce combat. Ah oui, allez, top, on récupère. Wouh. Allez. Les jambes ont chauffé là. Hein. C'est ça, allez, bougez un peu les jambes. Allez, marchez un peu, super. Voilà, hydratez-vous, vous avez vu, hein.
très cardio aujourd'hui, très 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 cardio, mais en tout cas, vous tenez bien le coup, vous êtes vraiment bon. Ah, c'est super la team, c'est vraiment super. Allez, notre dernière série, et comme je dis toujours Elsa... C'est la plus facile, c'est puisque c'est au mental. C'est ça, c'est la dernière. Imaginez tout le travail que vous avez fait depuis tout à l'heure. On arrive à la dernière série, c'est la plus facile. Donc, c'est maintenant, et on y va. Allez la team, quatrième série, la dernière. Vraiment, vraiment fier de vous. On donne tout, Elsa ? On donne tout. Hein ? Les genoux, les Nous blocages. Un petit peu d'énergie, on la tue maintenant. C'est exactement ça. Là, on va tout lâcher. Je veux qu'on lâche les fauves. Les fauves. Les yeux du tigre. Les hyènes. Non, parce qu'ils ont les yeux du tigre. C'est pour ça. Eh oui. Allez, Rocky. Allez, Adriane. Adriane, on y va pour squatter ? On y va. Et allez, on y va, on squat. Petite flexion, pousse les fesses vers l'arrière. Adriane. J'ai déjà la voix. J'ai mis trop Rocky. Donc c'est toi Rocky. C'est moi Rocky. C'est toi Adrienne. Tu veux une perruque? Non, ça ira, c'est bon. Merci. Je te prête mes cheveux. Non, ça ira. Allez, on pousse vers l'arrière. Dernière série, on serre bien les abdos. Allez mes boxeurs. Allez, on pousse bien sous les pieds, sous les talons. Allez, gros travail sur les cuisses, les fessiers. Allez, cardio. Allez, on met un peu plus de vitesse. Tac, tac. Voilà. Allez, Terry. Calme-toi. On met de la vitesse, mais calme-toi. T'as dit, on lâche les fauves. Allez, genou, pied droit en arrière. On y va, Elsa ? On y va. Allez, on monte. Voilà, parfait. Allez, on s'incline légèrement vers l'arrière. Allez, là, tu m'en lâches pas. C'est notre dernière série, hein ? D'accord ? Allez, on donne tout. Allez, encore. Genou vers le haut. On serre les abdos. On inspire et on souffle. Allez la team, allez. Allez, montez le son. Allez, mettez la musique à fond. Allez, à fond, on réveille les voisins, là. Voilà, parfait. Encore. Les voisins, ils vont entendre nos voix. C'est pas grave. Ils vont venir aussi. Ils vont faire du sport, eux aussi. Voilà, c'est le but. Allez, venez, les voisins. Encore, on monte les genoux. Voilà, parfait. OK, l'autre genou. On peut. Allez, c'est mieux. Allez, on continue, on monte. Voilà. Allez, inclinez-vous légèrement vers l'arrière et en monte. Allez, gros travail sur les abdos, là. Allez, la team. Allez, mes boxeurs. Dernière série. Allez, on donne tout au mental. Et paf. Non, et paf, et pif. Allez, encore. Tous les deux, on va faire un sparring. Hein. Tu vois, je suis pas une violente. Non. On va mettre les gants. J'arrive même pas à faire le bruit de la violence. Allez, on souffle. Ouais. Allez, encore. Voilà. Ça va, Elsa ? Ça va. On se fait une dernière série encore, nous deux ? Dernière. Allez, blocage. On y va, Elsa. On monte et on bloque. Voilà, parfait. Allez, genoux vers l'extérieur. On serre les abdos. Allez, la team. Dernière série. Allez, on donne tout. On lâche pas. Allez, on monte les genoux, on bloque. Oui, voilà, très bien. Je suis dans mon combat, là. Ouais, on dirait pas du tout qu'il combat, on est d'accord. Si, je bloque. Je suis content de bloquer. T'es content ? Bien sûr. C'est un coup en moins. Ouais, voilà, encore la team. Allez, on continue, on monte. Allez, nos dernières secondes. Voilà, parfait, allez. On lâche pas. C'est bientôt fini. Et top. Bravo, wow. Bravo. Bravo, Elsa. On a gagné ou pas au moins? Bien sûr. Ah, on a gagné par KO. Eh oui, par KO. Au moins. Allez, c'était super la team. Ah, je suis très, très fier de vous. On a fait un bon entraînement. Ouais. Donc là, vous allez rester connecté, récupérer votre souffle parce que nous avons les étirements. Ouais. On va bien étirer tous les groupes musculaires qu'on vient de travailler. Donc... On en a bien besoin, allez. Prends un grand souffle. C'est ça, on fait redescendre la fréquence cardiaque, ouvrez la fenêtre, respirez, voilà. Allez. Mais vraiment, en tout cas, très très bon entraînement aujourd'hui. Allez, on passe aux étirements ? C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle séance. On y va ensemble pour terminer avec le stretching. Je vous laisse placer vos pieds à la largeur du bassin. Relâchez. Vos genoux, verrouillez votre sangle abdominal. Vous allez monter les deux paumes de main vers le ciel en inspirant
Repoussez vers moi. Inspirez, ramenez à nouveau vers vous. Essoufflez, on descend. Et encore une fois, inspirez. Devant vous, repoussez. Ramenez, inspire. Et expire, on descend. Troisième et dernière fois cette combinaison. Paume de main vers le ciel, inspire. Repoussez l'air. Inspire, on ramène. Essoufflez. On relâche. Parfait. Vous allez placer vos pieds à la largeur des épaules, voire même un petit peu plus large, les pointes de pied en ouverture. Vous allez descendre sur une belle flexion de genoux et installer vos deux coudes sur chacun des genoux. Vous restez ici, vous poussez les genoux vers l'arrière, ce qui vous permet d'ouvrir les hanches et étirer l'intérieur des cuisses, vos adducteurs. Et vous allez twister en plongeant cette épaule droite vers le bas et vers l'avant. Et vous restez ici, tout en reculant ce genou droit. Et on reste. On maintient ce twist. On inspire. Et on expire. Vous recentrez les deux épaules. Vous allez pousser les deux talons sur l'extérieur afin d'avoir les pieds parallèles. Vous allez plier la jambe droite, placer la main gauche dans le sol. On reste ici. Une belle flexion à droite, une belle extension à gauche. N'hésitez pas à appuyer la paume de main dans le sol pour prendre appui dessus. Restez inspiré. Expirez. Nous allons repasser par le centre, les deux talons vers l'intérieur, les deux coudes sur chacun de vos genoux. Et on va cette fois-ci plonger l'épaule gauche vers l'avant, tout en poussant les genoux vers l'arrière pour étirer vos adducteurs en plus du twist. À nouveau, poussez les deux talons vers l'extérieur pour avoir les pieds parallèles et on reprend la même chose que tout à l'heure sur l'autre jambe, la jambe gauche. Pliez la jambe gauche, allongez-moi votre jambe droite au maximum. Prenez bien appui avec votre main qui est dans le sol. Inspirez. Expirez. Vous allez tendre cette jambe. Les deux jambes sont tendues, les pieds toujours parallèles. Vous allez placer juste ici le bout des doigts dans le sol. Essayez d'avoir un dos plat et de reculer vos fessiers afin d'étirer l'arrière de vos cuisses, vos ischio-jambiers. Et vous allez rester ici. Et vous allez ouvrir votre bras droit vers le ciel et essayer de regarder votre paume de main là-haut. Et lentement, tu redescends. Et on va faire la même chose avec le bras gauche. Inspire, monte. Essouffle, replace. À nouveau à droite, inspirez. Expirez. À gauche, inspire. Essoufflez. Replacez. Vous allez ramener les deux talons vers l'intérieur. Pliez vos deux genoux. Placez vos mains sur chacun des genoux. Et vous allez placez un dos rond, puis un dos creux en regardant légèrement vers le ciel. Et à nouveau, dos rond. Dos creux, inspire. Dernière fois, dos rond, souffle. Dos creux, inspire. Et tranquillement, tu souffles et tu déroules. Pour revenir debout, tu replaces les deux épaules dans l'axe en les enroulant vers l'arrière ainsi que le visage. Tu viens placer tes deux pieds à la largeur du bassin et comme tout à l'heure, tu inspires, tu repousses devant, t'inspires, tu ramènes vers toi et tu souffles. Une dernière fois, juste ici, tu viens inspirer, tu viens repousser, inspire et souffle et vous relâchez. Et c'est votre minute nutrition pour la suite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une question de Georges qui nous dit « Je fais de l'activité physique et je suis diabétique. À quoi je dois faire particulièrement attention ?» Alors Georges, l'activité physique va effectivement venir bien réguler votre glycémie. Donc c'est excellent pour votre santé et pour la santé de tous.
Par contre, ce qui va être délétère, ça va être la prise de sucre isolée ou en trop grande quantité, même dans vos repas. Donc faites attention à tous les aliments sucrés que vous pouvez manger, que ce soit même les sucres cachés de l'industrie agroalimentaire et les fruits. Si vous voulez poser vos questions sur les réseaux sociaux, je serai ravie d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Alors ce match, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Eh bien, on a tous gagné par KO. On est bon, hein ? Allez, c'était un super combat, vraiment. Mais vous avez appris les bases de la boxe, enfin, quelques petites bases. C'était super, c'était cardio, c'était ludique surtout. Et en plus, on a travaillé tout le corps, c'était un full body au final. Hein. Exactement, et c'était amusant. Bah, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Mm-hmm. Malheureusement, on va devoir se quitter, mais on se retrouve bien entendu dans un prochain épisode. Et en attendant, fais ton sport. À la maison.